D2T, c'est une société d'ingénierie travaillant, je dirais, pour les principaux constructeurs automobiles ou équipementiers dans le domaine de la recherche et développement. Et donc, D2T a deux directions techniques. Une direction technique ingénierie du GMP, tout ce qui est développement des groupes motopropulseurs, et ensuite une direction ingénierie moyen d'essai, où là, on va concevoir des produits pour bande d'essai et l'ingénierie de bande d'essai, donc intégration de bande d'essai directement chez les constructeurs automobiles ou équipementiers. Donc aujourd'hui, dans le domaine de l'ingénierie du GMP, depuis deux ans, on a un fort développement de nos activités, avec principalement la recherche de techniciens et ingénieurs motoristes dans le domaine des essais et la calibration moteur. Donc là, on a des activités en interne dans ce cadre-là, où on détache, sous forme de prestations de services, directement nos collaborateurs chez les constructeurs automobiles. Alors, on recherche tout type de profil. Alors, à la fois techniciens et ingénieurs motoristes, donc des ingénieurs type ESACA, ISAT, énergétiques, avec une notion d'énergétique. Et ensuite, techniciens, donc là, ça va être techniciens BTS MCI, pareil, moteur à combustion interne, des BTS AVA, maintenance après-vente, et des techniciens mécaniciens qui ont à la fois des profils soit Bac Pro, soit BTS, ou licence professionnelle dans la mécanique et dans l'ingénierie moteur tel qu'on en a besoin aujourd'hui, soit sur l'exploitation de bande d'essai moteur, soit dans la calibration moteur. Depuis deux ans, on a recruté plus d'une centaine de personnes dans ces mix ingénieurs techniciens. Et aujourd'hui, on recherche encore une quinzaine de techniciens, principalement dans les essais et la mise au point. On a eu des difficultés à certains moments pour trouver les bons candidats. C'est vrai qu'on est assez exigeant sur les profils que l'on recrute, puisque nous, on a quand même des activités assez diversifiées et une polyvalence nécessaire pour travailler à la fois sur des bancs rouleaux, sur du banc moteur, sur de la calibration moteur. Donc voilà, on est très exigeant parce que aussi nos clients nous demandent d'être, on est une société expertise dans le domaine du développement GMP et donc on se doit aussi de proposer aussi des candidats et d'avoir des équipes pluridisciplinaires et ayant une expertise technique dans le domaine du moteur.